Bonjour à toutes et à tous, good morning YouTube! Alors, est-ce que vous savez pourquoi aujourd'hui je fais ce genre de cri un petit peu de bête? C'est juste parce que j'ai un nouveau micro et puis c'est la seule chose qui est venue. Hein. C'est ce truc qui est venu, vous me connaissez. Il y a toujours les petits trucs à droite, à gauche, il y a toujours ou les petites chansons, ou les petites chansons gênantes avec des titres gênants. Excusez-moi, je suis en train de remettre un petit peu ma déco hein, dans... Regardez comme ça, c'est magnifique, toute cette déco, c'est sublime. C'est vraiment sur ce tapis, il y a uniquement que des choses qui me sont très 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 chères. Donc pour le coup, vous avez tout mon univers hein, qui est là devant vos yeux. Et j'espère que tout et tous, tout le blanc, vous allez parfaitement bien. Hein. On est parti ensemble hein, pour quelques petites vidéos. Alors vous savez que je les tourne à la suite parce que j'ai pas nécessairement le temps de m'occuper des vidéos après dans la semaine, hein, étant bien occupée malgré tout, hein, même si aujourd'hui je m'enracine, hein, je cherche à travailler énormément sur moi parce que j'en ai besoin, parce que la forme elle est bof bof hein, avec ce temps et puis la pathologie, notamment sur les articulations qui ne sont pas terribles. Mais on ne va pas faire dans le pathos, vous me connaissez, nous allons passer un très très bon moment ensemble. Et puis regardez, je voulais juste vous montrer ça voilà, qui m'a été offert par Marie-Laure. Alors Marie-Laure, c'est mon père Noël. Marie-Laure, elle m'est chère, mais c'est mon père Noël. Elle me trouve toujours des choses, messieurs dames, elle est juste incroyable. Et vraiment, vous voyez ça, c'est très très joli avec cette femme là, ce féminin sacré qui porte hein, qui porte dans bah, qui porte la terre, hein, qui attend, qui a la terre ici, là, ici, c'est magnifique. Regardez, c'est splendide. Et donc, bah voilà, d'habitude, j'ai les bougies qui sont à côté, mais pour l'heure, hein, merci encore Marie-Laure pour cette orgonite magnifique. Alors, pour la petite histoire, je suis entourée d'orgonite. Hein. J'ai celle de Marie-Laure ici. J'ai également, voilà, celle de mon amie également, Annie, qui est juste à côté. Hein. Et puis, ça, c'en était une que j'avais... commandé au début de ma chaîne. Donc de l'orgonite, en veux-tu, j'en ai quasiment dans toutes les pièces. Donc voilà, pour ceux qui sont sensibles à ce genre d'objet, ben, n'hésitez pas à en mettre un petit peu partout. Ça fait, en tout cas, ça ne fait pas de mal. Et encore une fois, hein, tout est dans l'intention qu'on leur donne. Ici, j'ai cette magnifique boule de cristal hein, avec ces éléphants qui la portent. J'adore. Oh, cette pierre de lune là-bas qui vient du Canada. Ah oui, qui m'a été offert également par Marie-Noël qui est chère à mon cœur et plein d'autres personnes évidemment. Alors à toutes et à tous, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, hormis ce good morning, mais c'est fou hein, parce que j'ai un énorme micro devant moi et d'habitude j'ai pas ça et c'est très déstabilisant, mais en même temps ça me fait rire, vous n'avez même pas idée, c'est drôle, voilà. Bien, allez, aujourd'hui, trêve de blabla. Vous voyez, je pense que vous le voyez, l'image est meilleure, je pense, le son est meilleur, je pense. Et puis même pour aujourd'hui, regardez, j'ai même mis un petit vernis rose fesses de bébé. Alors vous ne le voyez pas nécessairement, mais c'est très joli, hein, c'est très joli, de temps en temps, c'est pas mes couleurs. Et puis là, je me suis dit, mais c'est magnifique cette chose-là, hein, c'est très fun. Bon bref, on s'en fiche. Aujourd'hui, vous avez vu, l'actualité est toujours tellement dense. Tellement dense, et comme je disais précédemment, c'est pas simple. Oh, écoutez, messieurs, dames, au moment où je fais cette vidéo, alors le ciel est d'un gris profond, c'est très très gris ici en Île-de-France, mais il y a comme un. Comment dire? Ah, le vent se lève, alors c'est tout ce que j'aime, hein, le gris, le vent qui se lève, etc. Il y a comme une espèce d'éclaircie là, et ça fait un contraste, assez saisissant entre ce gris et cette lumière, un petit peu à l'instar de tout ce que l'on vit aujourd'hui. Donc, en parlant d'aujourd'hui, je vais commencer quand même par aller faire un petit tour, eh bien, quant au communiqué de l'ARS, hein, comme d'habitude, ARS, ça finit par un S, on va pas aller jusqu'à là, on va tenter de garder la chaîne, hein, même si YouTube fait tout ce qu'il peut pour ruiner hein, les chaînes censurées et autres. Moi, je fais partie hein, de ceux qui sont dans le collimateur, évidemment, je soutiens Natacha Rey, je soutiens Nana, au-delà de Nana que j'aime, ou Nana l'information, vous le savez, et pour moi, elle sera toujours Nana l'information. Autrement, elle le sait que c'est comme ça qu'elle est
parfaite, et c'est comme ça que moi je l'adore dans tous les sens du terme d'ailleurs, hein. Il n'y a pas que dans Nana l'information autrement, mais voilà, à partir du moment où vous n'êtes pas dans le narratif attendu, que vous ne restez pas dans le cuicui, les petits oiseaux, je vais vous faire un tour sur le sentimental, eh bien on vous bloque les vues, on vous bloque les abonnés, on vous réduit, machin, plein de choses, ce qui n'empêche pas que je sois ici avec vous, messieurs, dames, et que je continue mon travail de résistance, parce qu'aujourd'hui on peut nommer cela de la résistance. Regardez comme elle est magnifique, cette petite dame avec sa terre là, qu'elle porte la terre. Oh, j'adore Marie-Laure, c'est quelque chose de très très beau, j'adore vraiment. Donc je vais l'allumer, bien entendu, si j'y arrive, hein, parce qu'il me reste très très peu d'allumettes. Petite histoire, hein, quand j'allume trop fort, ouais, attention pour foutre le feu, el fuego. Donc, vivant en Île-de-France. Je reprends, messieurs, dames, vivant en Île-de-France, vous avez vu ce qui est passé, donc une alerte de l'ARS concernant la consommation des œufs de poules, entre guillemets, domestiques. Pour la petite histoire, j'en ai deux, trois à la maison, croyez-moi, c'est pas l'ARS qui m'a empêché de manger mes œufs et d'en donner autour de moi. Et croyez-moi bien, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas avare dans la distribution des œufs. Donc, on va aller voir à quoi rime, encore une fois, hein, cette annonce, hein, qui déconseille très fortement la consommation des œufs. J'aimerais bien aussi aller faire un petit tour du côté de chez Swan, vers mon premier amour qui me... Pas du tout. Cela dit, messieurs, dames, j'ai vu une interview de Dev. Il m'a fait marrer. J'aime beaucoup, beaucoup le personnage. J'aime son humour. Et par contre, celui qui m'interviewait, c'est dans L'Invité. Je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne YouTube où ça s'appelle L'Invité. C'est aussi un bon gros vislard, celui qui interview, mais qu'est-ce que vous voulez. J'ai également, vous savez que nous sommes allés... Alors, pour ceux qui ne sont pas intéressés par mes blabla, vous passerez directement à la vidéo, bien sûr. Nous sommes allés également dans le moulin de Claude François. Et manifestement, il y a eu... Hein, par rapport à ce monsieur, un invité. Il cherche absolument à savoir si Claude François était un vislard et autre. À chaque fois, il oriente vraiment, vraiment dans ce sens. Et on le voit aujourd'hui. Si avant, ça ne m'avait pas interpellé, oh, là, c'est direct. Et j'ai vu également, hein, une interview, comment ça s'appelle, piège, guet-apens, dans TPMP. J'ai vu juste un extrait. Puisqu'à partir du moment où vous avez vu, hein, l'algorithme, vous regardez un truc sur le François, il vous envoie des tas de choses. Là, pareil, hein, Delormeau avait invité de Claudette et puis Fabien Lecoeuvre. Et là, c'était très, très, très orienté pour faire de Claude François le plus gros, la plus grosse ordure de la Terre. Je ne dis pas que c'était un saint, attention, mais en tout cas, on voit les Claudettes qui sont piégées, qui ne savent plus quoi dire. Lecoeuvre qui fait vraiment tout ce qu'il peut, justement pour dire non, 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 arrêtez, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, Delormeau, t'étais une merde, ben, encore pire, hein, aujourd'hui, hein, on va pas se mentir, quand j'ai vu ça, j'ai fait, oh my god, heureusement, on le voit plus, cela, un déchet de moins, et maintenant, à qui le tour, j'ai envie de vous dire. Enfin, bref, encore une fois, hein, ceux qui ne sont pas intéressés par mon contenu, je vous en prie, ne restez pas sur cette chaîne, allez ailleurs, c'est parfaitement juste, ça m'est égal, il n'y a aucun problème là-dessus, mais je ne vous donnerai pas de lumière, cela dit, certainement pas. On va parler donc, comme je vous le disais, de l'ARS, hein, et de leur annonce concernant les poules. J'aimerais bien les voir du côté de chez Elon Musk, parce que Elon Musk, il est très 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 difficile à cerner. Alors pourquoi pas, hein, pourquoi pas tenter une nouvelle fois, d'accord, faire aussi peut-être, alors je vous dis, hein, ce qui vient et puis je verrai ce que je ferai aujourd'hui, mais quoi qu'il en soit, tenter également une petite visite auprès du soleil, parce qu'il se passe pas mal de choses actuellement, et voir ce que ça nous dit, bien sûr. Pourquoi pas aussi du côté de chez Trump, même si sincèrement, vous le savez, moi je suis une, comment dire, je suis mon amie Nana, et vraiment je vous invite tous à aller voir ses vidéos Iceberg, et où elle parle du personnage, et là elle a creusé, elle est allée voir, je la soutiens vraiment, et puis plus le temps passe et plus les questions se posent, même si je me les posais bien au début, bien en amont, bien sûr, concernant
Le canard. Ouais, pourquoi pas aller voir également aussi les médecins de plateau, hein, si à un moment donné on finira par ne plus voir leur tête. J'en veux pour Marty, c'est insupportable. Mais écoutez, mais qui va faire taire cette espèce de mollusque? Sincèrement, sincèrement, qui va faire taire cette personne? Mais c'est... Écoutez, il y a juste à regarder les informations. Alors attention, hein, même par le biais de médias alternatifs, hein, et je salue tous ces médias, Aberkan, Alexis Poulain, Le Juste Milieu, Greg Tabibian et bien d'autres. Il suffit juste d'écouter, de voir de manière factuelle. Et là, on se rend compte que my God, c'est un beau bazar tout ça. Bien. Allez, donc je vais y aller tranquille, hein, je vais y aller tranquille. Tranquille, mimille. Et puis, comment dire? Et puis, on va regarder tout ça. Parce que je vous le disais, hein, précédemment, moi, nourrir les énergies aujourd'hui qui sont largement dégueux, vraiment, actuellement, on est bien attaqué fort fort hein, par ce dark, par ce black, par cette lourdeur. Donc, on va juste regarder tranquillement et puis après s'en passer à toute autre chose et tenter de ne pas prendre tout ça trop pour serious. Et, oh, regardez comme c'est beau ça. J'ai beaucoup de... Il y a beaucoup ici de... Vous voyez, là, il y a beaucoup, beaucoup. Lot d'améthystes. Voilà. Parce que... attendez, je vous montre ici. C'est très sympa, ce truc. J'ai acheté au Canada, ça. J'adore. Oui, pourquoi? Je ne sais plus ce que je vous disais. Parce que oui, hormis le fait que l'améthyste est l'une de mes pierres préférées, avec sa couleur, bien sûr. Mais elle a des vertus également. Bien, eh bien, écoutez, ça fait déjà... presque 12 minutes que je vous parle. Encore une fois, ceux que ça n'intéresse pas, passez directement à la vidéo. Et c'est vrai que quand je reprends mes vidéos comme ça, il y a un long bavardage du départ, mais après, dans les autres vidéos, c'est beaucoup moins prolixe. Allez, c'est parti, l'ARS, ça va nous dire quoi? Mais avant, je vais prendre les petites cartes qui font du bien par où ça passe. Et on va commencer avec celui-ci. Qui m'a l'air très très bien. Alors, si vous voyez des bobos sur mes doigts, c'est le cas. Hein. Il y a des petits. Alors, il y en a là, il y en a là, il y en a des partout. C'est parce que je m'amuse avec mon chat. Voilà. Et ça picote. Voilà. Allez, on y va. Alors, quels oracles aussi? Également, je vais utiliser que I love beaucoup, beaucoup. Bah, comme d'habitude, hein, comme d'habitude, je vais prendre également. Excusez-moi, messieurs, dames. Hein. Je vais prendre les plumes. Les plumes et les heures miroirs que j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Bien. Il y a l'oracle de Gaïa que j'adore. Il y a la mission de vie. Il y a plein, plein de choses. Bien, bien, bien. C'est parti, messieurs, dames. On va commencer par ça, hein, ce qui nous fait du bien. Hein. Voilà. On en a vraiment besoin hein, aujourd'hui. Hein. Alors encore, ben voilà, encore une fois, ça reste 17-17. La force, tu m'étonnes. Il est l'heure d'en avoir un petit peu parce que c'est quand même pas simple. En dos de deck, on a quand même ici le 9-9 qui est le potentiel. Hein. 17-17, 9-9. Vous avez vu ce 17 qui est sorti? Ce 9 aussi, hein, qui est la fin et le début de quelque chose. Alors, je le pose ici. Hein. Vous savez que je déteste ne pas remettre mes petites cartounettes dans leur boîte. Bien, et je continue donc les petits conseils du jour, hein, le petit réconfort, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Alors vous avez vu, j'ai fait une petite vidéo en toute bienveillance sur Manu. En faire une sur Jean-Michel, je crois pas. Parce que rester dans la bienveillance, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué avec cette espèce de choses-là. Mais bien, je verrai. Je verrai, mais pour aujourd'hui, pas envie de vomir, hein, ça suffit. On a le jaune, puis mettre en lumière ce genre de personnage, ouais, bon, voilà. Le jaune qui symbolise l'intelligence, la joie, et l'univers nous félicite. C'est plutôt sympa hein, de lire ça, hein, sur cette en dos de deck. Tu as fait ce qu'il fallait, tu es sur la bonne voie. Et le chemin que tu as parcouru va porter ses fruits. Tes guides t'accompagnent, et donc tu peux être fier. De toi. C'est beau ça, en dos de deck. Hein. Elle est belle cette petite carte. J'adore. I like that. Voilà. Et puis, nouvel oracle.
Merci, ma Marie-Laure, mon Père Noël, Marie-Laure, c'est incroyable. Et l'oracle des mémoires. Mais c'est que le mien, je vous le dis tout de suite. C'est l'oracle des mémoires akashiques. J'ai commencé à le parcourir, hein, il est neuf et je le trouve vraiment, mais vraiment fort sympathique. Alors s'il me faut, hein, je vous dirai, je vous donnerai quelques significations de manière rapide. Hein, vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, c'est plutôt fun, c'est plutôt fun et je vais l'utiliser après. Mais vous me connaissez, je me détache rapidement du livre, mais j'ai besoin de prendre connaissance toujours des livrets. Parce que qui de mieux que le créateur et l'auteur d'un oracle pour apporter quand même certaines informations et après à nous de nous dégager et de le vivre comme on en a besoin. Regardez l'ancrage. Je viens juste d'ouvrir le livre vraiment de manière très 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 aléatoire. Je suis sur l'ancrage. Moi, je ne sais pas pour vous, en tout cas moi je bosse fort fort l'ancrage parce qu'aujourd'hui il y a besoin. En tout cas moi j'en ai besoin. Donc c'est vrai que l'ancrage, je le travaille XXL et c'est marrant hein, de couper ce bouquin et de tomber directement sur cet ancrage. Hein. C'est un arbre, c'est l'aulne. Et on nous dit que quelquefois, cette carte peut symboliser le manque d'ancrage. Donc, on nous demande de nous reconnecter à la terre, à nos racines, et puis de ne pas survoler nos émotions. Hein. Donc, il faut vraiment, vraiment être en conscience dans le moment présent. Et voilà ce que j'ai fait moi, parce que j'ai besoin de me réancrer à mon quotidien, à ma vie, au petit plat pour le secrétaire, enfin à tout ce qui me fait vibrer. Même, ça va jusqu'au film de Noël. Ça, c'est un truc qui, de toute ma vie, je ne regardais pas. Et bien là, de temps en temps, si je tombe dessus, que je regarde, je vais jusqu'au bout. C'est mièvre, c'est tout ce que vous voulez. C'est bisounours, mais punaise que ça fait du bien, parce que pouf, on se dégage de pas mal de choses. Et on nous dit hein, que dans un tirage qui peut être positif, ça nous montre la lucidité, la capacité de discernement. En tout cas, ancrage. Muy importante. Donc je vais prendre ces cartes, on va en prendre deux, trois aussi, qui sont, pour ceux qui seront intéressés, moi je l'aime beaucoup, il m'a parlé direct. C'est l'oracle des mémoires akashiques. J'aime beaucoup, beaucoup. Il y a vraiment des cartes qui sont, mais sympas. Vraiment. Que vous n'avez pas partout, en fait. Et c'est ça que je recherche dans un oracle. Quelque chose de différent, de changeant, de pas toujours, vous savez, les mêmes cartes, les mêmes. Alors évidemment qu'on a toujours les mêmes choses, on est bien d'accord, mais lui sort de l'ordinaire ce jeu. Les cartes que j'ai vues en tout cas m'ont beaucoup plu. À l'instar de, vous savez, de l'oracle des messages des anges. Et oh bah là, tout vient en fait, hein, tout vient. Et ben bah, là j'en ai deux. Et ben je vais garder ces deux-là qui ont glissé. Alors, voilà. Elles ont. Oh, regardez bon. Comme c'est joli cette carte. Et cette carte, on nous dit attention à la trahison dans l'air. Donc, attention. Elles sont belles, hein. Elles sont vraiment, vraiment belles. Et les deux qui sont tombées, quelles sont-elles? Quelles sont-elles? Oula, le cercle, là, on est dans un cycle. On est dans un cycle fort, fort. Attention à cette culpabilité. Hein. Alors même, attention, hein, on va les prendre avec beaucoup de... Comment dire, de pas de distance, hein, mais vous voyez, là on est sur le 44, le 43. Peut-être ne sont-elles pas assez mélangées, mais il n'y a, vous ne connaissez pas de hasard. On va voir si toutes ces cartes parlent entre elles. Mais en tout cas, j'ai déjà l'impression hein, qu'elles parlent entre elles, parce que là, on nous demande de la force, on demande de l'équilibre. Vous allez voir, je vais vous les lire parce que nous sommes encore dans un cercle, dans un cycle, dans une boucle où la culpabilité peut être très présente, hein, vous entendez, hein, moi j'ai récemment, c'est mon fils, je te salue mon enfant, avec qui c'est vrai que les choses sont de mieux en mieux, et merci à toi, l'univers et autres, en tout cas pour moi c'est Rezos, c'est voilà, qui me parlait que justement encore aujourd'hui, hein, mon fils, comment dire, qui n'est pas vax, évidemment, entre guillemets, évidemment, chacun fait ce qu'il veut, hein, quelque part. Mais mon fils qui n'est pas vax, quand il a dit au médecin qu'il a vu très très récemment, l'autre il a pété un câble. On est maintenant où tout sort, où on voit tout, tout, tout ce qui a été mis en place, tout, tout est révélé.
L'autre, le médecin, il a fait « Je vais pas vous garder dans mon cabinet longtemps, il faut penser aux autres et tout. » Et mon fils, ça a fini en combat de coq, en fait, vous voyez? Où lui ne s'est pas laissé faire. Bon, il est un peu comme sa mère, mais pas encore assez comme j'aimerais, vous voyez? Mais bon, c'est un autre problème. Et à chaque fois, je regrette tellement de ne pas être dans ces moments-là avec eux. Mais ça a fini où, en fait, clairement, il a fait comprendre qu'il allait lui donner ce dont il avait besoin, mais après, il fallait vite qu'il dégage de son cabinet. On en est toujours là, messieurs, dames. Nous en sommes toujours face à des débiles profonds. Là, c'est même plus une croyance, c'est de la bêtise, c'est de la connerie. Et ce genre de personnes, admettre qu'ils se sont trompés, admettre qu'ils se sont fait avoir, admettre qu'ils sont cupides, admettre qu'ils sont avides d'argent. Ça donne ce genre de connard, je suis obligée de le dire, bien entendu. Ça donne ce genre de personne qui aujourd'hui a encore osé dire, mais vous ne protégez pas les autres et ta mère, hein? Voilà. Excusez-moi, à un moment donné, vous savez que voilà, hein, je ne veux pas le dire méchamment, mais à un moment donné, ça suffit les conneries, ça suffit les conneries. Mais encore aujourd'hui, face à tout ce qui se passe, on a encore ces médecins-là ou les pharmacies qui vous font la morale également. Bon, c'est pas à moi que ça arrive, je regrette fort que ce ne soit pas à moi que ça arrive. Parce que j'ai de l'argumentation, il n'y a pas de problème. Mais alors, aucun problème là-dessus, hein, vraiment. En tout cas, dans les petites cartes, on voit bien quand même qu'on nous appelle à avoir un petit peu de force. Je vais vous le lire. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Tu t'en félicites. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent et ne pas oublier l'essentiel. Qui est plutôt cool, vous voyez. Cette plume donc, qui est la grise et la blanche, un peu ce dont je vous parlais avec le temps tout à l'heure, cette plume symbolise l'espoir et l'équilibre, quoi qu'il se passe en ce moment. L'univers te demande de garder la foi et de faire preuve de patience. Et ça continue encore et encore, c'est que le début des cœurs des cœurs. En tout cas, on nous demande d'avancer doucement mais sûrement vers l'objectif. On nous demande d'être patient, d'avoir de la force, de ne pas oublier l'essentiel tout de même, parce que ces boucles-là, et de trahison, qui, ce cycle, cette boucle, où on ne cherche qu'à provoquer la culpabilité, nous dire que le réchauffement climatique, c'est nous, bah, le médecin dont je vous ai parlé, c'est nous, tout est de notre faute, autant vous dire que ouais, il faut rester un petit peu accroché pour pas craquer quand même. Hein. Faut être un petit peu, ouais, hein, un petit peu bien, bien ancré, bien ancré. Vraiment. Parce que la bêtise est encore bien présente, messieurs, dames. Allez, c'est parti maintenant avec l'ARS. Donc j'aime beaucoup la culpabilité. Bah, juste, je vais vous en lire. Alors attendez, j'avais quoi ici? Le cycle, qui était la carte 44. Le cercle. Donc on nous parle d'unité quand même. Hein. On nous parle. Alors, le cercle, je vais vous lire un petit peu rapidement, hein, uniquement cette carte. Le cercle introduit l'idée de se perdre, de tourner en rond, de subir les éléments. Cette lame est au contraire, est le contraire de l'alignement. Hein, vous voyez, lorsque nous manquons de discernement, nous nous laissons influencer et envahir par nos émotions. Ça revient à dire, hein, on nous disait là, attention, hein, il y a toujours ces cycles où il ne faut pas se prendre la tête, parce que regardez ici cette culpabilité. Mais de toute façon, on nous dit, hein, de prendre quand même, malgré tout, du recul, du recul, hein, par rapport à tout ce qui arrive et de tout mettre en œuvre, malgré tout, pour faire mûrir des situations. D'accord? Ça peut également, ce cercle, indiquer la grossesse. Alors, dans ce jeu, la grossesse de quoi? Eh bien, une toute nouvelle situation qui est en train de se positionner. Vous voyez un petit peu dans ce cercle ici, toujours une espèce de matrice, hein, comme la grossesse. Donc, en tout cas, on est parti sur quelque chose de nouveau. Donc, force, honneur, courage, actuellement, sont de mise. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cet oracle ici. Bien, alors je le pousse tout de même. Voilà. Et je replace le 17-17 et la plume blanche et grise. Vous voyez que malgré tout, ça continue. Hein, toutes ces cartes parlent toujours entre elles et apportent des informations muy intéressantes. Alors, l'ARS et les poules maintenant. Alors, désolé, hein, la mise en route de cette vidéo est un peu longue. Bon, bah, écoutez, ceux qui n'aiment pas vont directement droit au but. Mais moi, je déteste commencer une vidéo
où je dis allez bon j'ai raté tes têtes, c'est parti pour le jeu. Donc, surtout quand il y a. Non, faut parler, on est des êtres humains tout de même, faut partager. Voilà. Surtout que j'ai un nouveau micro, monsieur dame. J'ai toujours besoin de faire un peu la faux folle, ça fait du bien. Ça fait du bien, il ne faut pas tout prendre trop au sérieux. Voilà. Et voilà. Allez, c'est parti. L'ARS. Cette nouvelle petite mise en garde, cette annonce. Ne mangez pas vos œufs de poule. C'est sûr, les terres sont vraiment polluées. Mais c'est vrai que les chemtrails, ça, on n'en parle pas, du coup. Hein. Là, ça va. Hein. Boire de l'eau du robinet qui est totalement polluée de beaucoup de traitements, et ça va, tranquille. Là, vous pouvez y aller. Par contre, des poules, hein, moi, enfin, je vois comme les miennes sont en totale liberté. Les graines, on les achète chez un petit producteur, pas un producteur, mais un monsieur, un éleveur. Et puis maman, elle fait des petites soupes, elle fait du riz, des... Genre. Si vous saviez les œufs, le goût qu'ont les œufs de poule comme ça, domestiques, autant vous dire qu'après, vous ne pouvez plus manger ceux qui sont vendus, même les bio, dans les grandes surfaces. Croyez-moi bien. Allez, c'est parti. Et la couleur du jaune, messieurs, dames, c'est cette couleur-là. Hein. C'est du orange fluo, c'est un truc de ouf. Hein. Mais j'aime bien hein, ce petit vernis à ongles, regardez, messieurs, dames. Hein. Rose fesse de bébé, j'aime bien. Enfin, c'est pas... Il s'appelle pas comme ça. Hein. Il s'appelle pas rose fesse de bébé. Je vous dis comment il s'appelle. C'est ma fille qui m'avait offert ça. C'est, je ne sais pas, il n'a pas de nom. Il s'appelle rien. Je sais pas. Bien. Ah bah il y en a un qui est tombé. J'arrête de parler parce que les mots tombent tout seuls et c'est marrant ça. Allez, c'est parti. Je vais peut-être faire un jour une vidéo. vidéo maquillage, vernis à ongles et autres. Là, on a l'intérêt. Oh bah devine. Jamais on aurait pensé à un truc pareil. Alors mes mots, hein, je vois, ils ont un peu pris cher. C'est pas grave, hein, ils sont toujours. J'arrive à lire le mot qui est inscrit dessus, c'est l'essentiel. Hein. Donc l'intérêt. Les rivaux, le rival, ah bon voilà, bon, je peux m'arrêter là, hein, l'intérêt, l'ARS, moi je la considère de toute façon depuis fort longtemps comme un rival, donc l'intérêt, le rival, la magie, c'est pour la magie, hein. Non, les œufs, il ne faut pas les manger, hein. C'est pour la magie, hein. Donc la magie. C'est marrant hein, ce mot, hein. La magie, on peut vraiment le traduire de différentes façons, mais je vais hein, continuer. Vous voyez l'intérêt dans le message. L'intérêt dans le message, ce message qui est quand même là pour séduire. C'est-à-dire, on est gentil avec vous, on préfère vous prévenir, mais c'est vrai que vous pouvez compter sur nous, hein, bien sûr. Pareil, le positionnement qu'on a eu face au Covid et autres, vous pouvez vraiment nous faire confiance. Sauf que t'es juste notre rival pépère, hein. Et puis là, y a pas besoin, réellement, hein. Je le fais vraiment parce qu'il faut des sujets comme ça, mais en toute honnêteté, qui peut penser que l'ARS aujourd'hui, il travaille pour nous? L'a-t-elle fait un jour? Elle travaille pour eux, ça c'est sûr. Le cœur. Elle veut séduire notre cœur. Elle veut être gentille. Elle veut être gentille, hein. Cette magie du cœur veut-elle réveiller? Éveiller cette magie du cœur, qui sait. Le message, en tout cas, on a tout intérêt ici, intérêt, message, âme, on a tout intérêt d'écouter déjà nous, ce que nous ressentons. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors donc, c'est vrai que là, dans un premier temps, tout intérêt d'écouter notre âme, ça me paraît plus qu'évident. Tout comme moi, j'écoute la mienne en me disant, à l'ARS, fuck les gars, c'est tout. Et donc, c'est vrai que ce message... On a tout intérêt à gagner, nous, à nous écouter, à écouter notre âme, cette magie, d'accord? Attention à cette séduction. Cette séduction, on va voir de ce que ça dit ensuite, mais il y a la clé. La clé, c'est de jouer les gentils, parce que le rival va séduire, et il pense avoir la clé. Les rivaux, de manière générale, hein, c'est comme ça. Ils vont faire les gentils ou les très méchants. Mais en tout cas, on va être dans un truc de séduction, hein, d'approche dans la séduction. En tout cas, on nous dit que notre clé, c'est notre âme, quoi. Je pense que réellement, aujourd'hui, c'est vrai qu'il va falloir qu'on s'écoute, qu'on écoute notre âme.
Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on n'a pas peur? Est-ce qu'on suit? Est-ce qu'on ne suit pas? Après, chacun son cheminement, chacun sa carte du monde et tout ce que vous voulez. Mais n'empêche que seule notre âme détient la clé. Et je pourrais m'arrêter ici. Vous voyez, parce qu'il y a la déprime aussi. Hein. C'est marrant la magie du cœur qui est faite pour la déprime. Vous trouvez pas que c'est un petit peu. Ça va pas du tout cette histoire, vous voyez? L'intérêt aussi. Leur intérêt, c'est de faire les gentils, mais pour provoquer cette petite déprime. Parce que est-ce qu'il y a certaines personnes qui vont dire: Oh mon Dieu, je mange plus les œufs, je vais même donner mes poules, je veux plus voir ces trucs-là dans mon jardin, c'est parce qu'on va mourir à cause des poules. Vous voyez où nous en sommes? On est un petit peu là-dedans, quoi. La peur, toujours la peur. Et donc, cette magie du pseudo-cœur amène la déprime. Ne laissez surtout pas hein, la déprime s'installer, hein. Surtout pas par l'ARS. Hein. Et puis, ce silence en plus. Hein. J'ai quand même l'impression quand même que ce message va pas passer fort fort quand même. Hein. J'ai pas l'impression qu'il va être suivi ce message beaucoup beaucoup. Bien, allez, comme d'habitude, il y a un silence là-dessus. Et la clé pour nous, hein, quelque part, c'est de ne pas donner de répercussions, de sens, de ne pas donner de prise à tous ces trucs. Enfin, c'est complètement débile, quoi. Ça a été jusqu'à ne pas manger d'œufs, de fromage, de lait, de. Enfin, ça va très, 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 très loin aujourd'hui. Hein. Très, très loin. Donc, on est un peu habitué, j'ai envie de vous dire. Hein. Ça suffit maintenant. Hein. Ça va. On n'est pas des débiles profonds. On a bien compris comment ils œuvraient depuis 2018, quand même, messieurs, dames. Allez, 2019. On arrive en 24. Vous vous rendez compte, depuis le temps qu'ils nous mettent la pression et ça ne s'arrête jamais. Information sur information. Il n'y a jamais, jamais de repos. Tout est pris, tout est utilisé. Jamais de repos. Il ne laisse pas notre conscience, notre esprit se reposer, pas du tout. Et il nous envoie non-stop, non-stop, des messages comme ça pour qu'on soit tout le temps sur le qui-vive, dans la peur, dans l'angoisse et autres. Allez, c'est parti, l'ARS, ça nous dit quoi? L'ARS, voilà, c'est sorti comme un rival, hein, d'accord? C'est marrant cette espèce de blonde encore qui. Oh putain, mais Jean-Michel! C'est peut-être aussi une directive. Tiens, voilà, encore une fois le message. Hop, la prise de parole, le message délivré. Eh ben, oh bah, il y a des dons. C'est marrant, hein? D'habitude, vous avez vu, je vais les chercher, elles ne sautent plus. Là, comme par hasard aujourd'hui, it's okay, ça saute. Oh my god, j'ai pas mis ma petite bougie. Alors attendez. Je pose 2 secondes, mais je fais attention parce que j'ai des bouges, j'ai des allumettes qui sont très 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 sur la fin. Hein. Je suis à la fin de ma boîte. Excusez-moi. Allez, j'attends hein, vraiment. Voilà. It's ok. Je mets cette petite bougie parce que c'est très 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 beautiful. Excusez-moi, messieurs dames. Hein. C'est ma chaîne, on est en famille, on prend le temps hein, de faire nos petites affaires entre nous. Hop, voilà, it's wonderful. Bon, vous la voyez pas la flamme, mais je vous promets, elle y est. Serait-ce la flamme olympique? Who knows, hein? Who knows? En tout cas, vous voyez que cette prise de parole qui est faite avec des gens pas très nécessairement très très gentils pour provoquer la peur. Encore une fois, le danger. Attention, messieurs, dames, attention, je suis l'ARS. Je prends la parole pour vous dire que manger les œufs, c'est très, très, très mauvais. Ah, Seigneur Dieu. Bon, mangez vos œufs. Oui, aïe. Oui, aïe. Alors, pour la petite histoire, dites à l'ARS que les poules, elles ne bouffent pas la terre. Hein. Elles picorent. Alors évidemment, l'herbe a besoin de la terre pour pousser, certes. Mais bon. Alors on tente à nouveau quelque chose, là. On voit un nouveau départ. Hein. On voit là vraiment, on tente encore un truc. Je vous rappelle, on a eu les punaises de lit. Tout est bon pour nous mettre dans cette déprime. Tiens, regardez, ça tombe bien, c'est le même mot ici. Tout est bon pour provoquer la déprime, pour faire peur. Encore une fois, toutes ces prises de parole, toutes ces communications qui amènent du danger et autres, c'est vraiment pour tenter un nouveau truc. Il l'avait déjà fait, hein, c'est pas la première fois. Faut savoir aussi qu'ils font des recensements. Vous devez déclarer.
Mais allez bien vous faire. Voilà, je n'ai jamais, jamais, jamais déclaré quoi que ce soit et hors de question. Si j'ai envie d'avoir 150 poules, j'ai 150 poules. Ce qui n'est pas le cas, évidemment. Je n'ai pas un élevage, messieurs, dames. Donc, ce n'est pas la première fois. Bon, c'est pas fini, hein, c'est pas fini. Ils tentent toujours des petits messages comme ça pour créer de la peur, de l'inconfort, de pas mal de choses. Ils tentent, hein, ils tentent une nouvelle communication. Mais c'est pour nous déprimer, hein, rien de plus, hein, en nous disant que de toute façon, c'est un vrai danger, ne mangez pas vos œufs. Allez plutôt manger ceux de la batterie. Vous savez, les pauvres bêtes, là. Mais les pauvres bêtes, c'est inhumain. C'est... Bref. Et c'est sûr, ils sont tellement bien traités que vous pouvez manger en toute sécurité des œufs de batterie. Bien sûr. C'est mieux, d'ailleurs. Ça, c'est l'ARS, hein. Qu'est-ce que je vous dise? Que voulez-vous que je vous dise? Ces deux-là, je vais les garder. Celle-là, non. On me dit celle-là, oui. Ok. Alors, dépression, dépression, des dangers, etc. Vous voyez, tout est fait pour ça. Là, ils sont partis sur un nouveau narratif de peur. Il faut avoir peur de vos œufs maintenant. Et bientôt, je vous dis, commencez à avoir peur de vos arbres fruitiers. En passant par, je sais pas moi, de quoi maintenant? De vos plantes, de vos plantes, hein, de vos plantes dans vos jardins, des roses, des... Ayez peur de vos plantes à fleurs. Enfin, on est là-dedans aujourd'hui. Hein. Tout est bon. Donc, ils se disent, on sait jamais, sur un malentendu, est-ce que ça peut fonctionner? On est vraiment là-dedans. Mais, quand même, hein, ils ont beau faire, excusez-moi, messieurs, dames, un petit hoquet, okay, ils ont beau faire ce, c'était pas un ro, hein, c'était un hoquet, okay, hein, je préfère le préciser, tout de même. Ils préfèrent vraiment, vraiment, ils ont envie, hein, ils cherchent tout le temps, la meilleure façon de nous faire peur. Donc là, les œufs, donc ils cherchent, commencent à être en perte, hein, de vitesse. Bon, le volcan, même si c'est avec les œufs, bah, ils ont tenté ce nouveau départ. Il se trouve que ça recule de plus en plus. On dit que c'est juste une remontée de lave qui a fait que bon, bah, ça frictionne, quoi. Mais j'ai lu ce matin, je vais voir chaque jour, il se passe rien, hormis cette remontée de lave. Mais par contre, quand vous lisez les journaux, il y a toujours un pour l'instant. C'est écrit un pour l'instant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils tentent tout. Tout est fait pour créer cette dépression, cette peur, ce danger. Donc, bah, on fait les œufs, on va partir sur autre chose. Et puis après, bon, bah, le volcan, ça n'a pas fonctionné. Donc, allez, les œufs. Et puis, non, mais voilà. Est-il bien nécessaire de continuer cette voyance, messieurs, dames? Est-il muy importante? Alors du coup, vous savez quoi? Du coup, je vais prendre maintenant mon petit jeu russe, le souffle de la nuit. Et on va recouvrir tout ça. Nous allons recouvrir tout ça, messieurs, dames. Hein? Voilà. Voilà, c'est tout. Oui. Quand ils voient qu'il y a la magie du cœur, parce que je suis en train de regarder mes mots, comme d'habitude, vous me connaissez, c'est pour ça que je les garde, parce qu'il y a toujours des corrélations, tout discute, tout part ensemble. Quand il y a une magie de cœur, c'est-à-dire que les gens sont ensemble, qu'il y a quelque chose, regardez ce qui est arrivé, mais c'est beau ça, tous les gens qui ont écouté ADNM, les décodeurs, tout ce que vous voulez. L'annonce qui avait été faite justement sur Vinted et d'autres sites qui hébergeaient des annonces plus que douteuses où derrière se cachaient certainement des trafics d'enfants, de ventes d'enfants en tout cas. Tout le monde s'est mis ensemble. Je fais partie de ces gens et mon amie Susan également, on l'a fait ensemble. Je l'ai fait après toute seule. J'ai fait des signalements. Hein. Et il y a eu tellement de signalements qu'ils ont fait un nettoyage incroyable sur ce genre de truc. Donc, quand on est unis, là, ils se disent, ah merde, c'est pas possible, ils nous font chier, ceux-là. Donc, ils repartent sur quelque chose de déprimant, voyez-vous? Parce que les magies du cœur, comme ça, tout ce qui est beau, et c'est la clé en plus, hein, il faut juste écouter notre âme, ça plaît pas. Donc, en tout cas, j'étais heureuse d'apprendre que les gens se sont vraiment, vraiment unis, ont fait des signalements en masse. Et croyez-moi bien, je te fais un gros bisou, Susan, si tu écoutes. Et je fais partie de ces personnes, Susan également. Croyez-moi bien, ils ont tellement été, mais
sous une montagne de signalements, ils ont nettoyé. Alors, évidemment, c'est salopard. Les gens qui font ça, ils vont aller sur d'autres choses. Mais si on est unis, si on voit un truc, genre une peluche, un nounours moche, et qui est vendu 10, 15 000 euros, ça va pas, faut signaler. Et bien, aujourd'hui, ils disent mince, mince. Il faut étouffer tout ça, là. Il faut étouffer ces regains d'âme, ces regains de partage et tout ça. C'est que ça, aujourd'hui. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Eh oui, nous sommes face à une guerre spirituelle. Donc, la seule chose à faire, eh bien, c'est d'écouter notre âme, d'écouter nos propres intérêts, quelque part. Hein. Qu'est-ce que ça nous dit pour nous? Et voilà. Mais j'étais tellement heureuse de voir qu'ils avaient été complètement assaillis de signalements. Et du coup, il y a vraiment des plateformes telles Vinted et d'autres qui ont fait un nettoyage incroyable, qui ont viré. Alors, où est-ce que c'est parti maintenant? Voilà, mais n'empêche que, vous voyez que quand on est ensemble, il se passe des choses. Il se passe des choses. Genre une peluche toute pourrie, très bon état, n'a jamais servi. Mais c'est à 15 000, regardez la description. Il faut regarder la description. C'est à vomir, à vomir. Et donc ça, eh ben, c'est une très très belle chose, on s'y est tous mis, et ben, c'est venu mettre le bazar là-dedans. Et j'en suis très heureuse. Vous voyez pourquoi ma chaîne YouTube est toujours... on me bloque les vues, les abonnements, les machins. Ben oui les gars, je fais ce que je dois faire. Et voilà. Allez. C'est parti, je continue. Donc, dans les messages, regardez donc. Voilà. Les messages émanant des vampires, hein, qui se nourrissent de quoi, les vampires? Les vampires. Donc, évidemment, hein, le sang des poules et tout. Enfin, bon, on est bien d'accord que... Voilà. On n'a pas une colombe de la paix qui est sortie sur le message. On a un rival qui est sorti, un vampire. Ouf! Et comme par le passé, hein, le retour du passé, les fantômes du passé, c'est-à-dire que les prises de parole, je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est pas la première fois qu'ils le font, hein, mais là, on est sur ça, les vampires, les fantômes, tout est en train de se mettre en place, hein, guerre spirituelle, mais vraiment dans tous les sens du terme, dans tous les sens du terme, vraiment, hein, on fait revivre par les communications, hein, les fantômes du passé, ils l'ont déjà fait avec les poules, hein, l'année dernière, hein, ils l'ont déjà fait, donc, heureusement, regardez, face à tout ça, on a la licorne. On a un petit peu de lumière, et c'est pas qu'un petit peu, là. Donc, attention par rapport à tous ces messages de danger. Faites-vous confiance, gardez votre âme. Voilà, il y a de ça aussi, c'est l'âme, c'est la licorne, c'est la beauté, c'est magnifique. Heureusement qu'il y a de la lumière dans ces deux trucs dark. C'est nous, ça, hein. C'est voilà. Et en plus, et quand bien même s'il y avait du danger, de toute façon, tout est sous contrôle. La lumière est là. Et la saleté s'en va. Voilà. Bon, il y a un nouveau départ, hein, par rapport à... Vous voyez, là, on a ce sphinx qui est là. Ce sphinx qui est là. 77 en plus, le numéro de la carte. Donc, moi, quand je vois, là, je veux pas trop m'orienter à la traduction faite. Vous voyez, on va rester droit, nous. On va rester droit par rapport à tout ça. C'est pas que nous, ça, hein. C'est eux, là, qui sont là, qui se sentent tout puissants, et c'est parti. Mais les femmes, encore une fois, hein, et les femmes, parce que dans ce sphinx, ici, le visage est un visage féminin, pardon. Donc, restons droits, restons ancrés. Tel le sphinx. Bien. Donc, là, on voit que, de toute façon, tout est fait, hein, dans le moulin. Le moulin, c'est le vent, c'est l'air, c'est... Pour moi, c'est pas que le travail. Hein. Les moulins à vent, vous voyez ce que je veux dire dans la communication. Bon, j'ai l'impression que ça fonctionne pas de ouf quand même, leur histoire là, pour faire peur. Et puis les gens prennent de plus en plus de force également. Également de plus en plus de force. Vous voyez? Donc là, c'est sûr et certain. Hein. Là, ça parle vraiment de nous. Et à nous de faire la différence quelque part. Hein. Ouais, dans les communications, il y a quelque chose de nouveau, hein. Ici on a quand même la cigogne, hein. il y a un truc, ils se sont dit tiens, on va saisir l'occasion, on va encore tenter, hein, de les abrutir avec une information qui fait flipper là, mais je pense que c'est pour cacher quelque chose d'autre encore, donc bon,
Voilà, le Garden, restons à l'intérieur de nous-mêmes. Le jardin intérieur, ça c'est nous également. Ne nous laissons pas bouffer par les fantômes du passé, vous voyez, hein, ces moulins à vent, hein, ces moulins à paroles. Le truc qui est différent, selon moi, si ça fonctionne mieux, moins pour eux, pardon, si ça fonctionne beaucoup moins pour eux, c'est que nous, on arrive davantage maintenant, nous, population, à prendre conscience qu'il est utile de s'ancrer dans notre jardin intérieur, dans notre paix intérieure. Et ça, c'est nouveau. Ils n'étaient pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Et là, vous voyez l'encens qui passe devant. Ouais. Et qu'on reste comme ça parce que on nous dit, allez vous informer. Gentiment, je ne dis pas que ça devienne une obsession et autre. Non, non, non. Allez voir, allez vous informer. Vous allez... Mais il y a quand même des choses qui sont en train de se mettre en place. On a le sphinx, on a la connaissance égyptienne, on a plein de trucs. On a les books. On a plein de choses, il faut aller s'informer. Il faut vraiment s'informer. Et puis vraiment, en faisant ça, mais je pense qu'il y a de plus en plus de monde qui aujourd'hui prend en force, s'informe et est conscient, et reste très très conscient que cette introspection, ce jardin intérieur, le nôtre, la paix, et puis il y a les vacances de Noël qui arrivent, etc. C'est très 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 important. Donc... ça fonctionne moins bien hein, quand même. Hein. Ça fonctionne pour eux largement moins bien. Hein. Ça marche moins. Hein. Vraiment, vraiment. Bah écoutez, on va peut-être finir un petit coup par quoi? Qu'est-ce que je vais prendre? Je sais pas. Ça? L'oracle italien? Et puis j'arrêterai là-dessus, messieurs, dames, parce que tout est dit. Hein. Il n'y a pas de... Rien de nouveau sous le ciel, hein. Rien de nouveau sous le soleil d'ailleurs même. Alors, le vampire, oh le vampire, on a l'Europe qui est derrière tout ça évidemment. Hein. Toujours les mêmes vampires, comme par le passé. Heureusement, nous avons la lumière. La lumière. Eh oui, ils en font du bruit, hein. Ils en font... Hein. Par contre, quand il fallait être là pour les médecins, hein, l'ARS, où était-il? Où était-il? Vous avez vu le professeur Perron hein, reprendre la force? On le voit de plus en plus. Alors lui, il vit sa meilleure life. Là, hein, là. Il est en train d'être réhabilité par tout ce qui se passe, par toutes les informations. Autant vous dire que ça fait plaisir à voir. Donc ici, on a la traîtrise en dos de deck. Nous avons la traîtrise, l'inconstance. Nous avons, voilà, le rival, la traîtrise. Donc on a tout ici. Voilà. Voilà. Bon, inutile de vous dire, on sait qui sont les traîtres aujourd'hui. Oh, très jolie cette petite lumière là. Oh, j'adore. Donc, les vampires, bah, tout ce qu'ils cherchent, c'est quoi? L'achat. Achat. Vous voyez que tous ces messages qui font peur hein, par ces vampires qui nous sucent le sang. Un vampire, ça suce le sang, mais là, en l'occurrence, pas notre sang, c'est notre énergie. On va pas rentrer dans ces histoires de sang, voyez-vous. N'empêche que là, tout est fait, tout est monnayé. Et puis, on leur dit, allez-y. Hein, vous aurez un petit peu d'argent, un petit peu de prospérité, les gars. Un petit peu de fric. Hein. Faites ce qu'on vous dit, ce serait sympa. Et ça fait aussi parce que l'économie, c'est pas tellement ça, quoi, aujourd'hui. Donc, toujours les mêmes paroles, hein, comme par le passé, tous ces fantômes qui reviennent, rencore et rencore. Qu'est-ce qu'on nous dit ici, messieurs, dames? C'est magique, ce jeu, piège, hypocrisie. Voilà. Voilà, je peux m'arrêter là, d'ailleurs je ne vais pas tarder à m'arrêter sur ce jeu parce que tout est dit. Heureusement, nous avons la lumière et puis il y a un monsieur là qui est quelque part. Quel est donc ce monsieur? Quel est donc ce lord? En tout cas, bon, c'est peut-être bien le lord, mais c'est un homme de cœur quand même ici. On voit que c'est un roi de cœur. Donc, est-ce que quelqu'un veille là-dessus? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a une bonne personne qui est là, mais qui... Moi, il y a toujours un truc qui m'interpelle avec ce jeu, c'est cette ambiguïté entre attention, il y a quelqu'un de bien, mais méfiez-vous, quoi, vous voyez. Il n'y a pas de sauveur, hein. Là, je crois qu'on a tous compris que le sauveur n'existe pas. Hein. Alors là, en aucune manière. Donc, on a encore cette femme coquette et autre qui est là, qui va peut-être renaître de ses cendres. L'Europe aussi qui dit, bon, écoutez, on va y aller, on va les embêter un petit peu. C'est nous aussi, hein, la population, hein, les consultants. Donc voilà, hein, alors tous ces trucs-là, c'est juste une histoire de je tente ma chance, on verra bien ce qui se passe. De toute façon, on est payé à dire des conneries, donc
Les gars, on y va. Les gars, on y va. Hein? Nous, on aime bien ce qui rentre. Hein? Attention, il y a un avertissement, un enseignement. On nous dit que, encore une fois, hein, encore une fois, ça s'est déjà passé. Ça s'est déjà passé. C'est quelque chose encore qui se répète. Je vois par rapport aussi à ce... Moi, je vous le dis, je le sens pas, là, ce monsieur qui arrive gentil et beau gosse et le sauveur. Attention. Attention aussi si on lit dans les deux sens ici. Hein? D'accord. S'il y a un sauveur qui se ramène, va falloir être prudent quand même. On nous dit avertissement. Hein? Moi, je le sens comme ça, l'histoire, mais on verra. Hein. Bien, 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 bien. En tout cas, c'est vrai que là, ils sont un peu déprimés parce qu'ils pensaient que ça fonctionnerait, mais j'ai l'impression quand même qu'on va rester toujours fidèle. Et là, c'est ça. Regardez, c'est un oiseau en plus. Je viens juste de voir. Je viens juste de voir. Hein. Ça va pas fonctionner, leur connerie. Hein. Je le vois bien, hein. Ça va pas marcher. J'espère qu'ils vont juste ne pas s'attaquer à tous les producteurs hein, qui, eux, ont des élevages. Enfin, vous voyez, ce genre de truc. Mais ça fonctionne pas, hein. Ça fonctionne pas. Alors il y en a hein, qui vont être bien entendus, hein. Oh je veux plus les poules, oh virez-moi ces merdes. Mais de manière générale j'ai l'impression que ça ne va pas fonctionner, leur bêtise. Il y a beaucoup de 7, hein. Il y a énormément de 7, regardez. Là il y a un 7, il y a un 7, là il y a du 7, il y a beaucoup beaucoup de 7. Tout à l'heure il y avait un 77 aussi, bah tiens, là. voilà, vous voyez il y a beaucoup beaucoup de 7. Notre jardin secret, attention, hein, on a des ennemis, hein, évidemment, voyez. Méfions-nous des sauveurs, hein. De toute façon, là, on est vraiment face à des personnes malhonnêtes. Hein. C'est une chance pour nous. Hein. Ils tentent, hein, ils tentent vraiment, vraiment de bouffer le meilleur que nous avons en nous, quoi. Ils veulent vraiment nous sortir de ça, de cette quiétude. Ils veulent sans arrêt que nous soyons dans la peur. C'est juste pour ça qu'ils s'amusent à ça, voyez. Il y a toujours, de toute façon, la seule chose qu'ils souhaitent, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Encore une fois, à nous d'aller chercher avec beaucoup, beaucoup d'ardeur, beaucoup de comment dire, c'est pas une histoire de gain ici. On doit rester dans notre jardin intérieur, dans notre, comment dire, se repositionner face à nous-mêmes et tout ce qui se passe. Ça, c'est important de le faire. C'est important de le faire. On a tout à y gagner, en fait, hein. On a tout à y gagner, sachant qu'ici, tout est dit. Hein. Nous sommes face à un piège de l'hypocrisie, des rivaux. Ici, il y a une traîtrise. Tout ça est fait aussi, quelque part, pour que chacun se repositionne à sa manière. Et bah, qu'est-ce qu'il va dire? Il n'accepte plus, tout simplement. C'est bon, allez les gars, c'est bon. On a compris, vous ne l'avez déjà fait. Fuck, ça va bien, d'ailleurs. Moi, par cette voyance... cette guidance, hein, ce que vous voulez d'ailleurs, peu importe, excusez-moi, on va finir avec le E, les trois cartes du E qui vont nous encourager. Si je peux sauver des poules, c'est mon seul but en fait, que les gens se disent, mais c'est quoi, c'est gardez vos poules, hein, n'écoutez pas tous ces singes, tous ces tarés, gardez vos poules et mangez vos œufs. Enfin, ouais, mangez des œufs hier, regardez, je suis toujours là, hein. Et en plus, c'est marrant parce que les gens, finalement, n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas parce que, d'une, il y a une population qui s'en fout. Deux, il y en a une qui est feignante et qui cherche pas à savoir, qui ne s'intéresse absolument pas à ça. Et puis, il y a celle qui est, elle, en conscience et qui sait tout ce qui se passe. Donc, pas simple pour eux. Hein. D'ailleurs, ils galèrent bien. Hein. Allô, j'écoute. Voilà. Donc, quand même d'être à l'écoute, hein, ou pas, selon les personnes. On peut tout changer, hein, abracadabra, c'est à nous de tout changer. Hein. Vraiment, ça n'empêche pas d'écouter, hein, mais on a la baguette magique nous-mêmes, hein, on est notre propre Harry Potter, hein, on peut tout changer nous-mêmes. Et puis, mais, vous voyez sur cet homme-là, on nous dit, l'avertissement là, on nous dit de sortir nos rayons laser quand même, hein, de sortir nos rayons laser, donc de faire preuve de bon sens. On a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous, en étant à l'intérieur de nous, écoutons-nous, on a tout pour tout changer, on a la baguette magique, mais il faut faire preuve de bon sens, sortir nos propres rayons laser. Et puis de toute façon, tout est intriqué, il n'y a pas des mystères. Le grand pardon. Le grand pardon.
Sortir nos GPS, ça c'est important hein, quand même. Hein. On nous demande quand même trois fois quand même de se renseigner, d'être avisé, mais ce qui n'empêche pas de ne pas être dans la violence hein, avec ce grand pardon. Hein. De toute façon, tout est en place comme ça doit être en place. Hein. Tout est intriqué, mais nous on est en mesure de sortir tout ça. Voilà. En étant dans le pardon, hein, en n'étant pas dans la haine, en ne nourrissant aucune haine, mais on est au courant, point. Et de toute façon, le tapis volant se réveille, bleu, la 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 la. Donc voilà, messieurs, dames, hein, on peut s'envoler, hein, en toute honnêteté, et puis passer largement à toute autre chose. Eh bien, écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi, je souhaitais la faire, en tout cas pour le moins sauver quelques poules et puis rassurer les personnes qui pourraient écouter ce genre de bêtises. Donc, à toutes et à tous, je vous souhaite d'être heureux, unis, éclatez-vous. Les fêtes de Noël vont arriver et arrivent très 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 rapidement parce que au vu de ce temps qui passe à une vitesse folle, surtout vraiment soyez entre vous, faites des gâteaux, préparez les fêtes, soyez unis et puis surtout montez sur votre tapis volant et tout ira bien, j'ai envie de vous dire. Donc, je vous dis à très très vite, à la prochaine, portez-vous bien, c'est tout pour moi et surtout encore une fois, soyez heureux. Ciao, ciao!